Et coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, nous sommes dans l'avion en direction de Brookhaven. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? On a les urgences qui s'allument. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je suis pas très rassurée là. Non non, je pense qu'il va falloir partir de cet avion en catastrophe. Ça me fait trop peur. Y a personne? Y a pas de personnel ici? Franchement, je suis vraiment pas rassurée dans cet avion. Bon, écoutez, on va s'asseoir, ça a l'air de s'être calmé. Du coup, comme je vous disais, donc je suis en direction de Brookhaven. Je vais m'installer dans cette ville et j'espère qu'on va aussi vivre de chouettes aventures à Brookhaven. Je suis à côté d'une jeune fille que je ne connais pas et ben, j'attends que l'avion atterrisse pour pouvoir enfin commencer une nouvelle vie à Brookhaven. A few moments later. Mesdames et messieurs, nous avons atterri à Brookhaven. Roblox Company vous souhaite un agréable séjour. L'avion est arrivé, je ne perds plus une seconde, on va sortir de l'aéroport. Il faut absolument que je trouve un endroit pour dormir. Je ne connais personne, j'arrive dans cette ville. Alors sans plus attendre, je vais aller voir au motel qui est juste à côté de l'aéroport, voir si je peux me prendre une chambre, parce que là du coup, j'ai pas de maison. J'arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'accueil? Eh oh, il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Non, pas dans le placard non plus. Oh là là, mais comment je vais faire? Je sais vraiment pas comment je vais faire. Il faut absolument que je trouve une chambre pour dormir ce soir. Comment je fais s'il n'y a personne à l'accueil? Eh oh, il y a quelqu'un? Eh oh, il y a quelqu'un pour s'occuper des chambres? On dirait qu'il n'y a personne. Bon, écoutez, je crois que j'ai pas le choix. Je sais que c'est pas bien, mais je vais réserver ma chambre. Bon, bah écoutez, je vais m'enregistrer toute seule. Après tout, j'ai pas le choix. Hein. Alors, on va prendre la chambre numéro 3 parce que le 3, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et c'est parti, je vais pouvoir m'installer. Enfin, je suis installée à Brookhaven. On va allumer l'ordinateur et puis je vais vérifier au niveau de la banque, de mon compte bancaire, si tout va bien parce qu'il va me falloir des économies. Ah, on me sonne? On me sonne à la porte, mais qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être? On me sonne à la porte. Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bombe qui a explosé? Oh non, mais j'ai trop peur ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Ah, ça doit être une abonnée, je suppose. Salut Aurélie. Ah, ça fait super... On va rentrer. Rentrons. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de rentrer dans ma maison. Il y a des voleurs. Oh mon dieu, il y a des voleurs. Mais c'est une ville hyper dangereuse. Oh mon dieu, j'ai trop peur. Non, je vais pas pouvoir sortir. J'ai trop peur de sortir. Oui, il y a des voleurs. Il faut appeler la police. Wendy, appelle la police. Franchement, j'ai trop peur. Oui, Wendy, appelle la police. Ah, il y a la police qui arrive. Oui, c'est la police. Il y a la police. Monsieur le policier. Monsieur le policier, au secours. Au secours, monsieur le policier. Je pense que c'est lui. Oh mon dieu, je me suis installée juste dans la maison à côté de ce fou. Oui, c'est ici. Mais oui, le voleur habite à côté de chez toi. Oui, j'ai vraiment pas de chance. Comment je vais faire? J'ai vraiment envie de quitter ce motel maintenant. Oui, j'ai trop peur. Oh mon dieu, je pense qu'il va falloir que je quitte cet hôtel. C'est pas possible. Franchement, mon premier jour à Brookhaven, ce sera pas très bien passé. Moi qui comptais me reposer, j'ai pris juste cette chambre à côté d'un fou qui essaye de nous lancer des bombes. Coucou! Ah, coucou, ça me fait plaisir de voir des abonnés. Venez, on va voir la police. Ah, voilà, le poste de police est là. On arrive au poste de police. S'il vous plaît, il faut arrêter le tireur à côté de ma chambre d'hôtel. J'ai trop peur. Il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Je retrouve des abonnés, merci beaucoup. Je me sens un petit peu plus rassurée d'être avec vous, vous êtes trop gentil, merci beaucoup. Bon, maintenant, il va falloir que je retourne à mon hôtel. On a encore quelqu'un de la police. Et elle m'a reconnue, elle savait que j'étais youtubeuse. Elle nous a dit de ne pas nous inquiéter. Elle nous a dit que les policiers de Brookhaven sont partis à l'hôtel pour le prendre. Et ensuite, elle nous a dit de circuler, de ne pas rester en groupe devant le commissariat.
Quand je suis retournée à l'hôtel, le tireur était parti. Ça y est, il est parti, c'est trop tard. En tout cas, je suis contente de vous voir ici, mes abonnés. Vous êtes adorables. Du coup, j'ai proposé aux abonnés d'aller jouer à la salle de jeu de Brookhaven pour un petit peu nous changer les idées. J'étais vraiment très très stressée. Il y avait encore la voiture de la police. Bon, allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va aller à la salle de jeu, se détendre. Faut faire attention parce qu'il y a des voitures et tout. Faut vraiment faire attention aux voitures. On va un petit peu se changer les idées. Wouh, trop bien. Regardez ça. Je fais de la moto. C'est trop cool. Trop bien. Il y a quelque chose en haut? Ah, en haut, il y a une salle d'anniversaire. Waouh, c'est une salle d'anniversaire, trop bien. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de passer un petit moment avec mes abonnés. C'était vraiment trop cool. Mais par contre, quand on est sorti de la salle, on a fait un retour à la réalité. Mon Dieu, je crois qu'il était blessé ou peut-être mort. Une ambulance est arrivée. On aurait dit que c'était un autre monde. Oh mon Dieu, mais c'est la folie, regardez-moi ça. Il y avait même un policier blessé à terre dans le commissariat. Mais pourquoi autant de violence? Il faut absolument que je rentre à l'hôtel, je dois me mettre en sécurité, c'est plus possible. Mais à côté de l'hôtel, c'était pareil. Un monde de fous, des voitures de policiers partout. La banque venait d'être braquée, oh mon Dieu. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'ai adoré la faire. Avec vous, mes abonnés, ou plutôt je vais dire maintenant mes amis, parce que vous êtes mes amis virtuels. C'était totalement improvisé, j'étais dans un serveur public, on s'est rencontrés par hasard, et le résultat est plutôt chouette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et dites-moi aussi ce que vous aimez le plus à Brookhaven. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager si vous l'avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.